Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 et on est sur Minecraft. Et j'ai commencé à faire enfin mon terrain et ma maison, et donc tout du coup j'avais envie de vous la montrer. Bon, la maison n'est pas terminée. Coucou, voilà. Alors je suis en game mode comme vous pouvez le voir, mais bon, pour une présentation de bâtiment et tout, je me suis dit que se mettre en vol, c'est pas de la triche, surtout qu'étant donné que j'ai quand même déjà tout fait en survie, hein, je tiens à vous le dire. Donc voilà, il me reste plus qu'à faire le toit, puis après je l'aurai vraiment terminé. Les deux chutes d'eau, je les ai rajoutées moi-même. Devant, j'ai bien envie d'y ajouter des lianes, mais pour ça, il va falloir que j'en récupère dans les biomes marécages. Donc ici, c'est l'entrée de la maison. Là, l'entrée avec l'escalier principal. Ici, ça va être le salon. Avec ici mes fermes à citrouille et à pastèque. J'ai beaucoup de citrouilles parce qu'en fait j'ai envie de manger surtout de la tarte à la citrouille. Juste en bas, la ferme à blé. Voilà. Et encore en bas, ma ferme à cactus et à canne à sucre. Parce que forcément, qui dit tarte à la citrouille dit sucre. Et qui dit sucre dit canne à sucre. Hein, voilà, je vais voler, ça ira plus vite. Donc pour moi, cette pièce, ces deux pièces sont finies. Donc la salle à manger. Très très simple, hein, mais bon, c'est ma deuxième maison, on va dire, sur Minecraft, avec la maison que j'avais faite dans un Golios dans Minecraft. Donc du coup, voilà, je tente des petits trucs, mais je suis pas encore un expert comme dans les Sims où je me débrouille vraiment bien. C'est simple, mais c'est fonctionnel. Là, c'est toute ma bouffe. Cette technique de mettre un élément sur une ligne ou de mettre un élément dans un coffre, c'est hyper pratique parce que comme ça, dès que je ferai shift-click, ça ira directement sur la même ligne de citrouille, plutôt que de se mettre n'importe comment. Ça va super vite pour ranger les objets, quoi. Donc, ensuite, l'étage n'est absolument pas fini, mais j'avais fait une sorte de verrière ici. Voilà, donc là, ce sera la salle de bain, je pense. Puis là, ce sera ma chambre, ici. Elle va être hyper grande, ma chambre, enfin bon, après tout, hein, pourquoi pas. Et d'ailleurs, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'ils sont où sont tes ressources dans ma salle des coffres? Et ma salle des coffres, elle est ici. Et comme j'ai envie de descendre vite, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Et voilà. Comme ça, je descends plus vite. Bon, après, pour la remonter, c'est un peu chiant, mais enfin bon. Là, c'est mes outils que j'en ai déjà fait à l'avance. Là, c'est ma laine. D'ailleurs, ma laine, j'en ai déjà. Vous voyez là, si je fais shift-click, voilà, il n'y a que ce qui correspond au coffre qui se rajoute. Donc, c'est vachement pratique. Je veux juste des haches. Parce que si je trouve un biome jungle. Ah oui, alors d'ailleurs, vous devez vous dire. Enfin, si, vous avez dû le voir dans les coffres, mais j'ai aussi de la laine marron. Et vous me direz, bah, comment t'as pu avoir de la laine marron si t'as pas de biome jungle? Sachant que pour faire de la laine marron, il faut avoir absolument des graines de cacao. Et en fait, j'ai trouvé un mouton naturellement marron, pas très très loin de chez moi. Donc du coup, je l'ai ramené avec du blé, quoi. Donc je me suis aussi rendu compte, en faisant un peu de la recherche en bateau et en voyageant un peu pour trouver le biome désert, que je suis tombé sur un biome fleur, pas très très loin de chez moi, donc je vais vous le montrer parce que c'est un biome qui, moi, va m'être utile pour les colorants. Hein. Sachant que les colorants, vous me direz, oui, mais une fois que tu as la laine colorée, tu t'en fous des colorants. Eh ben non, je ne m'en fous pas parce que j'ai envie de faire, vous avez peut-être vu dans la maison, vous avez dû voir que j'ai fait des vitres grises plutôt que des vitres normales parce que les vitres normales, je trouve pas très très belles, mais les vitres colorées, je les trouve vraiment sympas. Et du coup, je voudrais avoir plein de colorants pour pouvoir faire des vitres un peu colorées. Et donc avec ce biome, c'est juste le bonheur. Et en plus, j'ai des lapins ici. Je savais pas que j'avais des lapins ici. Je m'en souvenais pas. C'est mignon quand même. C'est mignon, mais je sais pas, c'est un côté flippant. On dirait des sortes de monstres quand même un peu. Le pack de textures que j'ai, ça change le feuillage des bouleaux, le bois et les planches du bouleau. Toutes les autres planches et tous les autres troncs des arbres. Le blé et la laine. Qui est putain encore une maison de sorcière, mais c'est la deuxième que je découvre. Bon, on va y aller, hein, d'ailleurs. Hein. On va y aller. Ah bah tiens, putain, mais je suis un débile, pépère, quoi, pauvre débile. Tu vas à la recherche d'un biome et tu prends pas ta cisaille pour avoir des lianes. Oh, ça m'énerve, je suis débile. Et j'aurais dû me prendre un lit pour faire passer la nuit aussi. Oh là là, je suis n'importe quoi. Bon. Ah, oh, un pot, bah tiens. Ah oui, c'est ça, il faut que je prenne de l'argile aussi. Faut que je prenne de l'argile. Bah tiens, d'ailleurs, je vais prendre ça. Merci. Voilà, ça va me faire de la déco, c'est cool. Mais d'ailleurs, oui, je vais continuer à aller là-bas. Je suis jamais allé là-bas. Voilà, ce qui m'énerve dans le biome marais, c'est quoi? C'est qu'il y a de la flotte. Oh! Oh! Des vaches! Alors ça, il faudrait aussi que je me fasse peut-être un élevage de vaches.
qui m'intéresse, c'est le cuir pour faire ce qu'on en appelle des item frames, donc des petits tableaux. Ah merde, le jour tombe. Ah bah, faudrait que je me fasse un lit. Putain, il n'y a pas de mou... Ah, mouton là-bas. Avance, ta race. Allez! Écoutez les moutons, hein, tant pis pour vous, hein, c'est pour votre laine, c'est pour le bien de la communauté. Et la communauté, c'est moi. Voilà, allez vite. Table de craft. Allez. Oh putain. Là, ça va spawner parce que j'ai pas mis de torche à tous les coups. Non! Très bien. Hop. Oh! Une torche! Mais je suis venu ici? Oh merde, je pensais que j'étais pas venu ici. Oh putain, c'est pas vrai. Voilà, à la base, je veux un biome jungle. Donc, bon, autant m'éloigner peut-être des endroits que j'ai déjà visités. Hein. Après, les biomes jungle, je m'en fous. J'irai juste une fois pour récupérer du cacao à la limite, oui. Comme ça, après, je le replante et je me fais une ferme à cacao. Et pour récupérer aussi des pousses d'acajou, qui est le bois de la jungle. Parce que je vais avoir tous les bois possibles du jeu. Donc, alors là, c'est un biome montagne. Donc, ça sent à tous les coups le biome sapin, le biome taïga juste à côté. Mais regardez tous ces moutons, c'est hallucinant. Encore une fois, ce que je trouve dommage. Ah putain, je me disais pourquoi je peux pas courir forcément. Mais la bouffe qui descend, c'est pas possible. Ah! Oh mais putain! Oh la vache! J'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Oh, j'ai des frissons partout. Oh mon dieu, comment il marche, c'est horrible. Oh mon dieu! Ah oh, j'ai mal à la tête tellement j'ai eu peur. Oh la vache, excusez-moi, j'ai des fourmis devant les yeux. Ah oh, putain, j'ai eu trop peur. Oh la frayeur. Oh la vache, j'ai chaud maintenant du coup tellement j'ai eu peur. Alors ça s'appelle comment ce biome d'ailleurs? J'arrive pas à retenir le nom. Le biome de chêne noir, moi je dirais, mais il doit porter un... Roofed Forest. Ah putain, roofed. Putain, comment c'est quoi roofed déjà? Je sais plus. Fou. Mais regardez la bouffe qui descend, c'est pas possible. Mais c'est pour ça que je bouffe de la citrouille, parce que le pain, j'avais trouvé un autre biome roofed forest, là, le biome de chêne noir, et j'avais que du pain avec moi, et j'avais 64 pains avec moi. Et ben, je peux vous dire que en un aller-retour, j'ai tout claqué. Bon, j'étais un petit peu loin, mais enfin, quand même. Ça descend. Mais regardez, je viens de bouffer, regardez mon cuisseau. Il est déjà en train de s'épuiser, quoi. C'est abusé. Bah, à la limite, je me verrais bien faire un bateau, là. C'est con parce que j'en avais déjà un, mais. Allez, un petit bateau. Par contre, je vais m'en faire deux, même. Ouais, je vais m'en faire deux, et s'il te plaît, je vais même prendre du bois avec moi parce que je sens sinon. Si jamais j'ai plus de bateau après, il se casse et tout. C'est jamais. Il faut que j'ai du bois avec moi, sinon je me fais pas tout à pied, si tu veux. Voilà. Alors, j'ai regardé les nouveautés de la 1.9 parce que bon, je l'avais un petit peu vu, mais. Et en gros, ils disaient que les bateaux maintenant ils allaient plus vite. Mais ils vont déjà vite les bateaux là quand même. Hein. Je trouve qu'on va assez vite quand même, regardez. En tout cas, là c'est comme si on courait vraiment pour le coup. Ah, c'est sympa par contre ça. En face, c'est une sorte un peu le biome, un peu on va dire montagne. Et là, le biome bouleau juste en face, c'est pas mal. Oh! Et le biome chêne noir juste à côté. Ah, bah c'est pas mal ça. C'est sympa. Bah, là par contre je suis jamais venu, donc ça se trouve. Descends. Mais putain, mais c'est n'importe quoi. Ah, voyez, regardez comme ça m'énerve. Parce que maintenant je récupère les bateaux, et il suffit que je filme pour que, comme d'hab, putain, sérieusement. Bah du coup je vais tuer des vaches pour avoir du cuir. Mais je m'en fous de votre bouffe. Je veux du cuir. Ah, merci. Oh, c'est marrant. C'est une clairière ici. Oh, c'est sympa. C'est sympa, par contre, entouré de bestiaux la nuit. Hein. Ah, mais c'est vachement sympa ici. C'est une clairière. Bon, elle est immense la clairière, mais c'est une clairière. Mais il est immense ce biome de chêne noir là. Chêne sombre. Chêne noir, ça fait trop de N dans la phrase, je galère. Je vais dire chêne sombre, voilà. Ça fait très bizarre à dire, mais bon. Oh! Pardon! J'avais eu peur de tomber. Il n'y a pas du charbon quelque part. Donc du coup, vous avez dû remarquer que pareil, je ne sortais pas forcément une vidéo tous les vendredis. Mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai certaines préoccupations assez chiantes, notamment qui sont liées à l'administration française. La paperasse et tout, j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est insupportable. Insupportable. Quand. Oh, du fer. Ah, ça, je crache pas sur du fer, par contre. Oh, bah tiens, je pourrais avoir des. Oh, oui! Je vais me faire des cisailles directes.
Ah, mais alors là, direct, je me fais des cisailles. Ah, même pas en rêve. En plus, j'ai du charbon pour le faire cuire. Allez. Cisaille. Hop là. Nickel. Nickel. Il faudrait que je retombe sur un biome marécage maintenant pour récupérer. Bon, au retour, je pense. Je m'avance. Je m'aventure un peu loin. J'aurais peut-être dû essayer d'avoir déjà un cheval. Ça aurait été pas mal. Ah, mais non, mais il me faut une laisse aussi. Parce que sinon, le cheval, si je le laisse dans la nature, il va se barrer, je pense. Et la laisse, on ne peut pas la créer. Il me semble qu'il faut la trouver dans un coffre. Oh là là, mais oui, attendez, parce que ma bouffe descend, super, mais faut penser à la bouffe pour le retour aussi, pépère. Ouais, faut pas que je fasse trop de conneries là. J'ai encore un bateau, on va l'utiliser, tiens. En fait, ce que j'aime pas dans le biome marais, bon, déjà, c'est parce que y a 3 tonnes de flotte, mais c'est aussi. La couleur de l'herbe est dégueulasse. C'est comme le biome savane. Ah oui, j'ai découvert un biome savane aussi à côté de là où j'avais récupéré du cactus. Non, mais regardez ça, encore une maison. Ah, par contre, il y a une sorcière dedans. Ah, on se casse. Direct là, on se casse. Oh! J'aurais pas perdu mon temps avec le cuir, c'est bien. À défaut d'avoir un biome jungle. Bon, je vais encore me retrouver dans un biome marais, j'en ai marre. Putain. Allez, hop. Mais pourquoi quand on quitte le bateau il se casse? C'est quoi ce bordel? Il n'y a aucun courant, tu devrais pas te casser, quoi. Ah, c'est chiant. Ah, sérieusement, hein. C'est relou. Mais arrête d'avancer! Ah d'accord, je peux pas casser mon bateau maintenant. Ah ok, je vois l'arnaque. Saloperie, va. Oh putain, ça me saoule. Au revoir. Bon, c'est chiant quand même, 36 000 biomes marais, on a compris au bout d'un moment. Hein. Allez, avance. Pas dans les nénuphars, mais on les voit pas les nénuphars. Mais, ah non, genre! C'était un nouveau bateau, il s'est cassé en 2 secondes, vous avez vu? Cette malchance de merde! Genre! Mais c'est n'importe quoi, sérieux! C'est de pire en pire, hein. C'est pour encore te barrer. Très bien. Ah. Quoique, fais voir, si je peux le récupérer, ce serait pas mal. Oh, mais genre, ça l'avance. Bon, allez, casse-toi. Casse-toi. C'est n'importe quoi, les bateaux, là. Hein. Je suis vachement loin, c'est chiant. Puis la bouffe descend assez vite, là. Faut que je fasse gaffe. Hein. Putain, on est, s'il te plaît, c'est pire que des icebergs maintenant, les nénuphars. C'est pas un peu abusé? Encore! Ça s'est cassé, bien sûr. Encore une maison de sorcière. Non, mais ça n'arrête pas, hein? Y a quelqu'un ou pas? Attends, mais dis pas. Oh non, je crois. Oh non! Je crois que c'est celle que j'ai déjà vue. Ça me dit un truc, cet endroit. Je crois que j'ai tourné en rond. Non, mais regardez ça, encore une maison. Ah, par contre, il y a une sorcière dedans. Ah, on se casse. Oh! Je verrai ça au montage, mais je suis sûr que j'ai tourné en rond. Elle a voulu me donner du cuir. Merci, mes mères. Une torche! Non! Une torche, quoi. Je suis déjà passé ici. Je tourne en rond comme une merde. C'est énorme. Mais je suis où, là? 1440! Mais je rentre vers chez moi! Je me suis rapproché de chez moi! Merde! Je pensais que je m'éloignais!
Je me rapproche de chez moi, là. Merde, mais c'est pour ça que je trouve pas le biome. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh putain. Faut que je laisse le F3, en fait. Hein. Oh la honte. Oh la honte. Mais oui, je suis pas très loin de chez moi, là. Bah, la preuve, j'ai trouvé une torche. Oh bah voilà. Pin, 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 pin. Putain. Bingo. J'ai quand même fait tout le tour comme ça. Hein. C'est pas grave, il fait... Non, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien, même, je dirais même plus. Oh là là, quel bordel. Eh, hein. Je suis parti avec 63 tartes à la citrouille. Il m'en reste 24. Je me débrouille pas mal, mais quand même, ça craint. Tout ce qu'on prend comme bouffe, quoi. Très bien. Donc, écoutez, je vous reprendrai un autre jour, hein, plus tard. On verra pourquoi. Mais ce sera toujours sur du Minecraft, parce que je suis bien parti pour, là. Donc, autant continuer dans ma lancée. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis, attention, je vais faire un truc qui est une petite technique que j'aime bien faire. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous.